Marie-Claude Pietragala, ancienne étoile du ballet de l'Opéra national de Paris de 1990 à 1998 puis jurée de danse avec les stars de 2012 à 2017, souffle sa 60e bougie ce jeudi 2 février 2023. Un événement qu'elle pourrait très probablement fêter avec sa famille, et notamment avec sa fille Lola. Une adolescente très discrète, qui avait toutefois déjà pris la pose avec sa mère il y a quelques années lors du défilé de mode Stéphane Roland, collection haute couture automne-hiver 2017-2018 à Paris. L'occasion de constater qu'il s'agit d'une adorable petite brune, qui possède quelques airs de ressemblance avec sa célèbre maman, voir le diaporama. Mais Lola semble avoir changé de look depuis. En témoignent ses photos postées sur son compte Instagram en novembre dernier, sur lesquelles elle apparaît avec une coupe au carré, un piercing au nez, un crop top et Jean Moulin. Un style d'enfer. Reste désormais à savoir si elle empruntera le même chemin artistique que sa mère ou non, à l'avenir. Comme elle hante les théâtres depuis l'âge de 3 mois, pour elle, la danse est complètement banalisée. Pour tout dire, la technique classique ne l'attire pas spécialement, explique notamment Marie-Claude Pietragala il y a quelques années dans les pages du magazine Paris Capital.